Michael, je vous présenterai après. S'il veut bien être sur la vidéo, non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et on va aller faire des photos. Tu as dit Michael, mais t'as pas dit Mathilda. Oui, il y a Mathilda aussi, c'est vrai. Oui, mais Michael, c'est le principal, le personnage principal du film. et du coup, on va rejoindre Michael et Mathilda et on va faire des photos et on va tourner une petite publicité. Voilà, pour une marque. Voilà, voilà, attention, on va pas passer à la télé, je vous préviens. Quand même. Bientôt, bientôt, peut-être. Hein, ah, tu sais quoi? On va faire le film bientôt. Oui. Le film Les Bronzés font du ski à un string. Affiche principale et les gens vont venir que parce qu'on est de Montpellier. Donc voilà, donc là on est sur l'autoroute, on a du retard, on s'est fait sonner un petit peu les oreilles parce qu'on a une heure de retard. Ah oui, c'est vrai, on va faire les tuches. Les tuches à la mer. Les tuches à Narbonne. Mais du coup, on va à Narbonne et on va profiter pour se baigner. Voilà, j'espère. Tu dis ça, ça va être vérité. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouh, on est arrivé à Gruissant. C'est Gruissant, hein, c'est pas pour la nouvelle, c'est Gruissant. Par contre, ça sent les moules, hein, je vous. Dans 800 mètres, tournez à droite. C'est là où ils font les huîtres et les moules, je crois. Parce qu'il y a des barques. Ouais, parce que c'est senti. Ah oui, ouf. Ouh là là. Tu sens quand tu sais, j'ai la diarrhée. Ça sent pareil quand tu ouvres la bouche. T'as le nez trop près de ta bouche, toi. Par contre, Michael, qu'est-ce que c'est que cette route? Tu croyais qu'on avait un 4x4 ou quoi? Par contre, c'est très joli. Mais, par contre, il faut monter sur les mottes de terre, là. On fait du manège. Même le téléphone il suit pas la caméra. J'ai pas stabilisateur. Ah ouais, j'aurais dû prendre le stabilisateur. Ah ouais, je suis con. Je l'ai acheté mais je sais toujours pas m'en servir. Bon allez. Et les photos, et là on va manger, puis après on va.
va essayer de voir pour que Shine profite de la plage un peu quand même. On n'est pas venu pour rien. Hein. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Tissène, elle est ignorante. Hein. Elle a pleuré. Elle a eu du sable dans l'œil. Elle a pleuré comme un bébé. Déteste. Déjà, à peine arrivée, elle faisait que crier. Insupportable, fille. Ah là là. En plus, j'ai même pas une seule photo belle. C'est pas grave, tu les trafiqueras. Oh, ouais. 360. Comment ça s'appelle le truc? Comment il s'appelle? C'est un secret. Ah, c'est un secret, alors. Ne voile pas le secret. Ah oui. Bon, du coup, on a bien mangé. Tissène, t'as bien mangé? Elle est hyper bien maniable. On a mangé à Pimi. Moi, j'ai mangé un Happy Meal, mais j'ai quand même pris un beignet, faut pas exagérer, il est où? Un donut, hein? Faut exagérer quand même, hein? Oh, oui, un petit peu quand même, non? Donut, hein? Toi, t'as pris quoi? Toi, t'as pris une glace. Non, toi, t'as pris un frappé. Ouais, parce qu'à 14h, on voulait aller manger au bord de la mer, mais 14h, c'était un peu tard, donc du coup, ben, je cherche pas une équipe qui gagne, McDo. Ouais, comme d'hab. Voilà, là, on va faire quoi? On va aller au bord de la mer? On va aller au bord de la mer? Peut-être? On va faire baigner Shine. Ouais, ben bah, si tu vas devant la mer qui a la France entière assise, merci. On verra. Pas de ta maline, hein. Tout le Tarn-et-Garonne. Pas ta maline, tu sens des bras, hein. Tu connais cette blague? C'est pas moi qui sens des bras. Oui, oui, c'est une blague entre moi et Tissène. On va Mickaël. On va faire des blagues comme ça. Oui, et Mickaël, c'est vrai. Mais en fait, c'est Mickaël qui sent des bras. Ça. Non, c'est pas vrai. Tu vas voir la vidéo et dire ah ouais, je sens des bras. Non, on a eu une blague entre nous. Voilà, bon, ben on va voir ce qu'on va faire après. Vous verrez en même temps que nous, on n'est pas au courant. Vous serez au courant en même temps que nous. Écoutez-moi ce bruit. Le bruit des crayons. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. C'est mon bruit préféré de la mer. Ah, mais il y en a plus. On parle d'un. Ça fait une heure que ça crie. Ah. Là, ça crie plus. Regardez-moi ça. C'est quoi, tu sais? Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ce bruit. Là, on va aller à le gouffre de l'œil doux. Alors, tu sais, nous a dit que c'était pas loin. C'est pas par là, hein. J'ai mes cheveux tout poisseux. Je pense pas que ce soit par là. Demande aux gens. Ils sont là. Ah ouais, bah. Attends, ils sont où? Il y en a là. Attends, mets-moi avec le doigt. Attends, je les vois plus. Là. Ils sont là, non, par là. C'est mon bon endroit là. Ah, elle va tomber sur nous. Attendez, je les vois plus. Ils sont par là, non? Donne. Attends. Tu les vois, toi? Oui. Regarde, ils sont là. Viens, on en ramène un à la maison. Je ne sais pas par où il est. On va pas le voir, il y a trop de feuillage. Là, vous le voyez? Viens, ça, là. On l'attrape, on le ramène à la maison. Attends, voilà. Ce petit truc-là, là, ben, comme un papillon. Ben, c'est ça qui chante, en fait. Oui, c'est un crayon, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Elle en y va. C'est ça que j'aime. En toute fait. Ah. Regardez-moi ça. Je suis en claquette. Après. Après la montée en McQueen, la montée en claquette. Voilà. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Les claquettes, elles vont être cassées d'ici tout à l'heure. Aïe, je vais vous expliquer. Regardez-moi ça. Vous n'allez pas bien voir parce que j'ai peur. Hein. Attendez, je vais essayer de monter par là. Oh non, je peux pas. Je ne peux même pas monter là. Mais c'est quoi ce bruit? C'est quand même beau. Regardez-moi ça. Normalement, on peut descendre jusqu'en bas, mais il faut marcher beaucoup. Il faut faire le tour jusqu'à là-bas. On n'est pas resté longtemps. Hein, parce que. On n'est pas resté longtemps parce que j'avais le cœur qui battait très fort. Oh là là là. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Un malaise vagal. Tellement que j'ai peur du vide. C'est impossible ça. Pour moi. C'est au-dessus de mes forces tout ça. Je peux pas. Si c'est un toi ça allait. Et l'autre elle s'approchait devant. Et en plus avec ses claquettes pourries là. C'est pas qu'elle peut glisser. Non. Voilà. Du coup là on est à Narbonne. Il fait hyper
même pas mis le parasol. Il n'y a personne sur les plages. Voilà, sur la plage. Je filme Patricia maillot. Voilà. Ben, moi, je suis là, assise, et j'attends. J'aime pas trop la mer, en fait. Je dis j'aime pas trop la mer, parce que j'aime pas trop la mer, c'est que je suis très froide. Très froide, donc je sais que si je me perds et que les femmes ça va pas me laisser. J'ai les cheveux sur les cheveux, c'est un peu entier. J'ai les cheveux, catastrophique, surtout poisseux, je peux même pas passer le doigt dedans, regardez. Attendez, si je trouve mes cheveux. Depuis que tu as crevé la dernière fois, je suis toujours obligée de changer le pneu. Change-le que demain, j'ai des choses à faire. Allez, quoi faire pour moi. C'est pour être toi qui devrais le changer. Le pneu. Change-le. Je crois. Regardez-moi ça. En plus, Tisha mécanicienne en plus de ça. Ça, c'est pas possible, ça, cette fille. Je suis bonne à marier, moi. Regardez-moi ça. Tisha mécanicienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis bonne à marier, moi. On me trouve un mari par là. Je vous le dis. Regardez-moi ça. Tellement que la dernière fois, elle a touché le trottoir, elle a tordu le triangle. Le triangle. Vous savez, le triangle qu'il y a dans la voie, derrière les pneus. Regardez, ça a bouffé tout le pneu. Si on avait éclaté, on était mort. N'est-ce pas, Tissène? On était mort. Regarde. Le pneu, il est bouffé. Non, mais je te jure que là, il est tellement bouffé que le fer, il ressort. Regardez-moi ça. Mais c'est pas grave. Hein? Regardez-moi ça. Maintenant, il va falloir faire quoi? Faire un parallélisme. Tu aurais retrouvé tes copines en enfer et moi j'aurais été au paradis. Oui, bien sûr. Hein? Maintenant, il va falloir faire quoi? Le parallélisme? Le parallélisme? Il va falloir faire quoi? Le parallélisme? Hein? Changer les pneus? Qui c'est qui va payer? Hein? C'est Tissène qui va payer. Oui. Oui, c'est Tissène qui va payer. Bon, allez, on est reparti. On a changé le pneu. Mais en tout cas, je vous dis, on était à deux doigts de la mort. Si on faisait 50 km de plus... Attendez. Si on faisait 50 km de plus, on était mort. Mais sûr que non. Petit hamburger de chez Lidl. Bien sûr, on est passé chez Lidl juste avant. Pour s'acheter les glaces encore. Regardez. Maintenant, on rentre. Bon allez, plus tard. Bon ben voilà, on est bien rentré, on est sain et sauf. Je sors de la douche, donc j'ai du maquillage partout, j'ai complètement oublié de m'enlever les boucles d'oreilles. Normalement c'est de l'argent, ça noircit pas, mais non mais franchement. Je me suis rincé les cheveux 3 fois, la baignoire était pleine de sable, je suis sûre que j'en ai encore. Donc là, je vais me sécher, me démaquiller, me mettre en pyjama, je suis KO. K.O. de chez K.O. T'es pas fatiguée, toi? Tissène? Elle m'entend pas, elle a fermé la porte. Je suis vraiment K.O. Ouais, je me suis levée à 6h, je me suis endormie à 3h. Tissène? T'es pas fatiguée? T'es pas fatiguée? Ah, t'as dormi, toi, dans la voiture? Et j'étais en train de me dire quoi? Non. C'est pas ça. Non, mais tu vlogues. Qu'est-ce que moi, je te dirai. Bon allez, on vous laisse. Hein. Le ton noir partout là. On vous laisse et on vous dit à bientôt. Hein. Bye bye. À jamais peut-être. Bisous.